Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler, tiens, des entreprises guadeloupéennes. Sont-elles devenues aujourd'hui assez modernes au niveau du numérique? Eh bien, pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un salon qui est organisé. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec notre invité Chantal Lecard. Bonjour Chantal Lecard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler d'un salon, tiens, qui aura lieu à l'hôtel Arawak. C'est important, c'est assez symbolique hein, que ce soit l'hôtel Arawak qui soit choisi pour cet anniversaire, les 20 ans de C2I. Et un salon, c'est ça, pour nous parler du numérique? On est en retard. Pour parler du numérique, tout à fait, de la modernisation numérique des entreprises. On est en retard en Guadeloupe? On est en retard, oui, mais il y a quand même de très gros progrès qui sont faits chaque jour. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les problématiques sont liées de la même façon, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique? Tout à fait. Je pense qu'il y a quand même une avancée qui est relativement distincte. Donc, les besoins aussi sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes. Donc, nous venons, pour revenir à votre introduction, sur les 20 ans de C2I. Donc, 20 ans, ce n'est pas rien, ça se fête. Et pour ce faire, nous avons convié tous nos partenaires, tous ceux qui, tout le long de ces 20 ans, ont accompagné C2I de manière très efficace et professionnelle auprès des entreprises, puisque effectivement, même si nous sommes au-devant des entreprises, derrière, nous avons tout de même des éditeurs, des fournisseurs qui font un travail formidable avec nous chaque jour. Donc, ils sont présents avec nous pendant ces deux jours. Alors, quand on parle de modernisation d'entreprise aujourd'hui, on pense à quoi? On dit quoi réellement, modernisation numérique? Donc, en fait, modernisation numérique, simplement, pour être, avoir dans le langage très familier, donc en fait, être à la page. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'innovations. Donc les entreprises ont besoin d'être accompagnées, d'être conseillées. Donc c'est le job de C2I Guadeloupe, de C2I Outre-mer. Donc c'est notre job et nous venons auprès des entreprises. On imagine que vous apportez des conseils dans des domaines divers pour ces entreprises. Oui, tout à fait. Nous accompagnons les entreprises tout le long. Donc aussi bien les termes qui seront abordés seront la sécurité, donc en fait auprès des entreprises, puisque avec la cybercriminalité accrue, nous les accompagnons. Nous allons aborder effectivement la dématérialisation. Nous allons aborder aussi un thème très important où on entend parler de GDPR, au niveau de la sécurisation effectivement la des données personnelles. La protection, c'est ça, de la protection des données, effectivement. Donc nous allons conseiller donc les entreprises, puisque nous le savons tous, le 25 mai, l'application de cette loi. Comment s'y préparer? Quelles sont les conséquences? Quels sont les processus à mettre en place? Donc nous avons des experts pour cela, donc aussi bien dans le juridique que effectivement auprès de nos différents partenaires. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un secteur qui va vite, c'est un secteur qui est en pleine mutation, mm-hmm. et les évolutions changent en permanence. Énormément. Donc, nous faisons de la veille auprès des entreprises. Ça, c'est surtout très important. Très important, j'imagine. Très, très important. Donc, être au courant des dernières, effectivement, technologies qui sont mises à disposition. Donc, les conseils, venir auprès des sociétés. Ces sociétés, justement, ce sont des partenaires ou c'est ouvert à tout le monde, ce salon? Alors, le salon est ouvert spécifiquement pour les professionnels. Ouais. Donc, les chefs d'entreprise, les responsables informatiques, les directeurs des services informatiques. Donc, effectivement, vous êtes une entreprise, vous avez une infrastructure, quelle que soit sa taille. Donc, en fait, nous ne visons pas uniquement les collectivités, uniquement les administrations. Ouais, vous ne voulez pas que les entreprises de 300 personnes? Non, tout à fait. Donc, aujourd'hui, les PMI, PME, effectivement, sont les bienvenus. Donc, nous les attendons avec impatience. Donc, nous avons fait un programme taillé pour toutes type d'entreprise, et ça, je tiens à insister là-dessus. Aujourd'hui, nous ne nous occupons pas spécifiquement des entreprises, des grandes et des petites entreprises. Des grandes entreprises, des petites entreprises. Mmh. Vous avez décidé, on l'a compris, hein, de ratisser large. Mmh. C'est important. Aujourd'hui, ce salon, il dure une journée?
Le salon, il dure 2 journées. Alors, je vais vous expliquer. La première journée, vous allez être accueillis. Donc, nous allons être dans un espace qui est relativement très convivial et surtout magnifique. Donc, nous aurons nos différents partenaires qui seront en stand dans un magnifique open space où vous pourrez avoir des entretiens avec les partenaires. Il y a aussi une notion aussi que je tiens à attirer l'attention. Nous aurons aussi des conférences. Ah. Donc, sur notre site internet, il y aura beaucoup de thèmes. Donc, nous avons 2 salles qui seront 2 salles de conférences qui seront où les thèmes seront répartis. Et chacun pourra, si vous venez, vous êtes à 2, chacun pourra aller dans une conférence dans des thèmes qui vont vous intéresser. Donc, l'intérêt, c'est de les consulter sur notre site internet. Vous avez la possibilité vous aurez tout le programme. Il y a tout le programme dessus. Voilà. Et l'objectif, au final, pour votre entreprise, pour ces 2i, c'est quoi ? Donc, c'est de mettre un petit peu, démystifier déjà énormément de choses. C'est important, parce que ça fait peur souvent. Ça fait très peur, donc on se dit où aller, comment faire. Donc nous venons en titre de conseil et aussi d'accompagnement et aussi au titre d'information. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, les entreprises, il y a énormément d'informations, de sources d'informations et finalement, on s'y perd. Donc l'idée, c'est de vous donner un conseil. Donc en partant effectivement De rien du tout, on pourra arriver et avoir un projet clé en main ? Tout à fait, c'est ça l'idée. Et ça marchera comme ça ? Et ça marchera comme ça. Donc déjà, venez nous voir, discutez. Vous aurez présent effectivement tout le cadre de ces 2i, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane. Donc vous aurez, tous nos protagonistes seront présents. Donc nous aurons, tout le groupe est présent. Donc ce sera l'occasion C'est important pour les rencontrer. Et on rappelle que c'est donc à l'hôtel Arawak, c'est ça, ce jeudi ? À l'hôtel Arawak, ce jeudi, à 9h, à partir de 9h jusqu'à 17h. Donc tout le programme, je rappelle, vous avez la possibilité de le consulter sur Internet, aussi bien des conférences que les horaires. Voilà. Chantal Lecar, merci. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Merci. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.